Donc voilà, donc Thierry Gallet, je travaille chez Cyclab. Cyclab, c'est le laboratoire d'innovation d'économie circulaire de Cyclad. Donc Cyclad, c'est un syndicat mixte de collecte et traitement de déchets ménagers. Donc en gros, nous, notre travail au quotidien, c'est de collecter et traiter les déchets ménagers via la collecte des ordures ménagères, via la collecte des sacs jaunes et la collecte des déchets en déchetterie, etc. etc. Donc on a plus de 230 communes, 230 000 habitants. On a un territoire, on est au nord de la Charente-Maritime. Voilà, ça c'est le préambule. Et ensuite, il y a maintenant 2 ans, les élus ont décidé de créer un laboratoire en innovation autour de l'économie circulaire, au sein donc de Cyclad. La démarche a été assez simple, même si intellectuellement c'est une démarche, un virage qu'il fallait prendre, qui n'est pas toujours évident à prendre pour des élus. C'est de dire que nous, à notre niveau, on gère au quotidien des déchets. Encore une fois, via les déchetteries, via les ordures ménagères. Et on s'est dit en fait qu'il était intéressant de penser différemment et aller vers l'économie circulaire. C'est-à-dire que les déchets qu'on a dans nos déchetteries, au bout du compte, peuvent devenir des ressources pour différents partenaires locaux. Donc en fait, on a créé un laboratoire, Cyclab, donc le laboratoire de Cyclad. J'ai été nommé à la tête il y a à peu près 2 ans. Maintenant, nous sommes 3 au sein de Cyclab. Donc l'idée, en fait, elle est toute simple. C'est de dire quels déchets peuvent devenir des ressources, avec quels partenaires, pour quels projets innovants sur un territoire donné. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais j'ai rien dit. Donc je vais essayer d'être assez concret. L'un des premiers projets, on va dire, emblématiques, parce que c'était le premier, et c'est l'un des... Moi, j'aime bien parler de la preuve par l'exemple. Dans les déchetteries, on a beaucoup de meubles. Donc le mobilier, vous savez, c'est quelque chose d'assez conséquent. On a un tonnage de meubles assez conséquent. Et quand on parle de déchets, en fait, c'est marrant. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des déchets. Il y a une grosse partie aujourd'hui des meubles qu'on collecte en déchetterie qui sont du bois, donc de la matière noble. Donc voilà, on vit un système, une époque un peu compliquée, un peu complètement ubuesque, dans le sens où on parle du pouvoir d'achat, on parle de baisse d'argent, enfin, en sens global. Pourtant, on jette énormément des choses encore utilisables. D'où la création de Cyclab. Donc le premier exemple, en fait, il était tout bête. Je suis parti d'un principe assez simple, c'est de me dire que dans les bennes meubles, une bonne partie des meubles, ça va être des chaises, ça va être des tables, bon, il y a des pieds. Donc c'est évident, mais il fallait avoir l'idée. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on pouvait récupérer tous les pieds de meubles de toutes les déchetteries, et on travaille avec un chantier d'insertion. Et en fait, grâce à ces pieds de meubles, on fabrique des jeux de quilles. Donc le jeu de quilles, en fait, vous connaissez toutes et tous le jeu de Molki, qui aujourd'hui, le jeu de Molki est fabriqué dans des pays, on va dire en Asie. Et nous, en fait, on s'est dit, pourquoi pas créer un écosystème local. C'est-à-dire qu'on détourne ce bois de déchetterie, on l'amène à un chantier d'insertion et on crée de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce jeu qu'on a appelé le 12 pieds, est revendu à la CAMIF, est revendu via des points de vente. En fait, c'est une idée assez simple, assez pragmatique. Après, le problème des idées, c'est toujours les plus simples qui sont les plus durs à avoir. Donc, quand on montre ça à des personnes, on nous dit « Ah ouais, c'est super simple. Bah, vas-y, fais-le. » En fait, voilà, plutôt que d'en mettre ta table en déchetterie, la prochaine fois, tu veux jeter ta table, et bah, tu coupes tes pieds, t'en fais un jeu, et puis le plateau, t'en fais autre chose, à toi d'avoir l'idée. Voilà. Et aujourd'hui, nous, les projets de Cyclab, c'est ça, c'est d'avoir une multitude d'idées avec des déchets pour les valoriser, toujours sur un territoire donné. On essaye d'inclure l'ESS, enfin, l'économie sociale solidaire, au maximum. Quand on peut, c'est pas toujours évident, mais on essaye au maximum. Et en fait, chaque produit, aujourd'hui, il y a une histoire. C'est-à-dire que moi, la petite histoire que je raconte avec le 12 pieds, c'est que demain, vous pouvez faire l'expérience, enfin demain, maintenant, c'est un peu tard, mais l'été prochain, quand vous allez sur la plage, vous allez y aller avec votre jeu de 12 pieds, vous allez raconter l'histoire à vos amis, à votre famille. L'oncle, tonton Jackie, il va arriver avec son jeu de Molki qui vient de Décathlon, et lui, je ne le vois pas raconter l'histoire en disant, bah, alors moi, le jeu, il est fabriqué en Asie, par des enfants de 4 ans, et non, je rigole, mais en fait, l'idée, elle est là. Et justement, ce genre de jeu, c'est unique au monde, c'est-à-dire que chaque jeu est différent, et on fait travailler un écosystème local. Voilà. Et ce qu'on essaye de dire, c'est la preuve par l'exemple d'être dans le pragmatisme. C'est-à-dire que tout est possible en fait. Donc nous aujourd'hui, nos portes de nos déchetteries, on les ouvre. On les ouvre à des partenaires, des associations, des industriels, des entrepreneurs, quels qu'ils soient, qui ont une idée. Autre exemple tout bête, donc à Surgères, tout ça, ce sont des écosystèmes qui vivent à moins de, on va dire, ce jeu-là, il est à moins de 10 km, en fait, on va dire, entre les déchets qu'on récupère,
où il est transformé, où ils sont vendus, etc. C'est sur un territoire vraiment donné. Un autre exemple tout bête, mais encore une fois, qui démontre la volonté de Cyclab, donc le laboratoire d'innovation, c'est de se dire, aujourd'hui, on a un fabricant de bateaux, enfin de ponts de bateaux à Surgères. Le pont de bateau, il est fabriqué en teck birman. Donc la Birmanie, on connaît la junte birmane. On sait qu'au niveau valeur, on fait mieux. Mais peu importe, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on exporte du teck birman en France pour qu'on soit à l'aise sur notre bateau. Quoi. Enfin, intellectuellement, c'est assez compliqué. Je vais pas faire de la politique, mais l'idée est là, c'est assez compliqué. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que nous, occidentaux, on a ces chutes de teck. Et une fois que le pont de bateau est monté, ces chutes de teck, on les jette. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, un mètre cube, c'est 5000 euros. Vous voyez, donc en déchetterie, en fait, on a du teck birman. Donc, en fait, moi, l'idée, c'est de dire, voilà, je sais que ça existe via des rencontres, je ne sais plus qui parlait de réseau tout à l'heure, enfin, via un fameux réseau, voilà, effectivement, si on essaye de partager nos compétences, nos envies, et le système, voilà. Et c'est de dire, en fait, quand je tombe là-dessus, je dis, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas jeter du teck birman, c'est impossible, quoi. Après, quoi en faire? Le problème, il est là, quoi. Donc, c'est encore à nous de nous rapprocher vers des parts. Comment? Ouais, voilà, c'est ça. Non, voilà, exactement. On a fait des caps là. Et non, mais c'est exactement ça. Et on a fait un jeu de domino, voilà, tout simple, qu'on a appelé. Voilà, enfin, un jeu de domino. Pareil, hein, c'est un jeu de domino, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Dans le sens, c'est fait avec un chantier d'insertion. Donc, dedans, en plus, il y a de la compétence humaine. C'est-à-dire que le chef d'atelier avec qui je travaille, lui, il faut qu'il essaye de se dire on va monter un projet avec des déchets. Et en plus, il faut que ça corresponde à des compétences pour que les personnes demain puissent retrouver de l'emploi, etc. Donc, mais là où la boucle est bouclée, c'est que avec ce jeu-là, qui est revendu sur le territoire, qui est, voilà. En plus, ce que je dis tout le temps, c'est qu'un jeu de domino en tech aujourd'hui, si vous voulez en acheter un, à mon avis, c'est peut-être vendu 100 euros. Enfin, si on veut vraiment un jeu de domino en tech, qu'on voit le prix au mètre cube, c'est hallucinant, quoi. Donc là, c'est des jeux de domino de grande qualité. Et en plus, sur notre territoire, il y a un grand fabricant de bateaux qui s'appelle Fountaine Pajot, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont un carnet de commandes qui est plein sur 7-8 ans, je crois. Enfin, ouais. Donc pour votre yacht, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, en gros, ils ont un carnet de commandes hyper plein. Et là où c'est hallucinant, c'est qu'ils sont en manque de compétences. C'est-à-dire que tout ce qui est menuiserie de marine, ils n'ont pas de compétences. Enfin, ils manquent de personnel. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que ces gens qui ont fabriqué des dominos... Bon, le domino, c'est un exemple parmi tant d'autres. Qui ont fabriqué des dominos, ils vont acquérir des compétences, et ces compétences peuvent leur permettre éventuellement de travailler chez un partenaire qui fabrique. Enfin voilà. Donc la boucle est bouclée. Voilà, des exemples comme ça, on en a plus de 70 au sein de Cyclab. Moi, j'essaye d'emmener toujours les plus simples à comprendre. Et évidemment, les sacs sont faits avec de la matière détournée. On essaye d'en faire aussi avec des voiles de bateaux. Et nous, Cyclab, on va accompagner les partenaires, on va faire la communication. On va gérer la communication, on va gérer les flux, c'est-à-dire comment collecter, pourquoi, comment, à qui, etc. Et moi, ce que j'apprécie fortement dans cette démarche, c'est que c'est toujours un travail collectif. C'est-à-dire que le 12 pieds, l'idée, je sais d'où elle vient, mais en fait, elle vient de tout le monde, elle vient de personne. Et pour pousser la réflexion jusqu'au bout, ce qui est marrant, c'est qu'on avait décidé d'appeler ça le 12 pieds à plusieurs. Et il y a une personne qui me dit, ouais, mais c'est génial, mais en fait, ce qu'il faut, c'est écrire la règle en alexandrin. Donc là, on a écrit la règle en alexandrin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un côté ludique derrière. Et c'est un partage. C'est ludique. Et l'un des points essentiels, la finalité, au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est que c'est un outil de sensibilisation. C'est-à-dire que vous, demain, si vous dites, ouais, l'écologie, tout ça, j'y crois pas, c'est de la connerie, machin, pas de problème. Simplement, aujourd'hui, quand tu vas jouer avec ton jeu de 12 pieds ou ton architecte, en fait, c'est du déchet. Et les gens voient différemment le déchet, en fait. Et là, on est entre personnes intéressées. Donc, je parle de déchet, mais normalement, c'est un mot qu'on bannit, justement, pour essayer d'aller au-delà. Je ne sais pas combien de temps... Si, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez. Alors, deux, trois autres exemples. On fait aussi des projets alimentaires. Alors, enfin, nous, on est service public. C'est-à-dire que sur tous ces projets, nous, on touche zéro, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. C'est-à-dire que 100% de la somme, enfin, des sommes des ventes vont... aux partenaires. Donc ça peut être des entreprises, ça peut être des chantiers d'insertion, ça peut être des associations, etc. etc. Donc nous, c'est pas but lucratif. Exemple tout bête, encore une fois, c'est un porteur de projet local qui a décidé de créer son entreprise.
en récupérant les fruits et légumes invendus de grandes surfaces, de supermarchés. Donc c'est des quantités mais énormes quoi. Exemple, quand vous en tant que consommateur, mais moi j'en fais partie, hein, donc il n'y a aucun jugement, mais quand on va acheter des bananes, par exemple la banane, si elle n'est pas en grappe, on ne va jamais l'acheter. Donc la banane toute seule, eh ben, elle est jetée. Mais vous verrez maintenant quand vous irez, vous verrez une banane toute seule, vous la prendrez. Voilà, enfin bref. Et si le fruit il est un petit peu pas abîmé, mais il commence à peine à se gâter, pas beau, voilà exactement. Pas beau déjà, il dégage quoi. Donc en fait, rien qu'un Leclerc de surgère. Surgère, on n'est pas dans une mégalopole, hein, on n'est pas à Paris quoi. Il jette entre 50 et 100 kilos quotidien de fruits et légumes. Encore une fois, hein, je ne parle pas des gens qui n'ont pas, qui peuvent pas manger au quotidien, etc. Ça va au-delà, ça c'est encore plus compliqué. Donc voilà, nous ce qu'on essaye, c'est de. Il y a un porteur de projet qui a dit, moi je vais récupérer cette nourriture, je vais créer mon entreprise, donc tout à l'heure on était dans le thème encore, et il s'appelle Sifruileg, il est situé à Surgères, et il fait des confitures et des jus à base de fruits et légumes invendus de supermarché. Donc en plus, il y a la saisonnalité qui fonctionne, c'est-à-dire que l'été, l'hiver, on ne va pas y avoir les mêmes fruits et légumes, même si en grande surface on mange des tomates en hiver, mais enfin ça c'est encore un autre problème. Mais, et après, on a fait de la bière. Enfin, quand je dis on, hein, c'est toujours pareil, c'est pas nous, mais on a permis en fait l'éclosion de ce genre de projet. On sait qu'on peut faire de la bière à base de pain. La bière à la base, c'est du pain, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, les boulangers jettent du pain. Encore une fois, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais mon métier, c'est d'enfoncer des portes ouvertes et de dire, bah oui, mais allons au-delà justement de ces portes ouvertes. Et l'idée, c'est de dire, bah, ce pain, on va le récupérer et on va trouver un brasseur qui est motivé pour faire une recette et créer une bière à base de pain. Donc ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, on rencontre un brasseur, deux brasseurs, il y en a toujours un qui dit bah non, ça ne m'intéresse pas, il y en a un qui dit pourquoi pas, on essaie la recette, machin, poc, ça fonctionne. Il a appelé sa bière la Phoenix. Donc aujourd'hui, c'est un brasseur qui est assez connu sur un territoire donné. Et il avait une gamme de 7 bières, gamme pérenne, il avait des single shots, il faisait des bières des séries limitées. Il a dit, je vais tenter de faire une série limitée à bière à base de pain. Et le truc, c'est que ça a cartonné, quoi. Donc nous, on a fait la communication, on l'a aidé justement à pouvoir promouvoir son produit. Et aujourd'hui, quand il a créé ça, c'était il y a à peu près un an, un brassin de, on va dire, entre 800 et 900 litres de bière, d'habitude, il vend ça en 3 mois, il a vendu ça en 3 semaines, parce que les gens étaient contents. Voilà. Donc on essaye de faire avancer ce schmilblick, et donc ça crée en plus de l'activité locale, en plus de sensibiliser les habitants à la revalorisation du déchet. Et dernier truc, sur le port autonome de La Rochelle, donc quand on parle de port autonome, hein, La Rochelle, c'est des quantités, mais de fou. J'ai rencontré quelqu'un qui exporte du bois exotique. Et en fait, c'est hallucinant, quoi. Il me dit, le bois, quand il est conditionné sur des palettes en bois exotique, que nous, on va jeter derrière, quoi. J'ai dit, c'est hallucinant, quoi. Il me dit, bah oui, mais quand on va quand on va l'exporter, les gens chez eux, il travaille directement avec le producteur, lui. Il dit, bah lui, il fait une palette avec ce qu'il a sur place, quoi. Donc sur place, ça reste ce que nous, on appelle du bois exotique. Donc aujourd'hui, il a tout un tas de palettes à l'extérieur. Il ne veut pas les jeter, parce qu'il dit, c'est pas normal, c'est pas possible qu'on puisse jeter du bois exotique. Pareil, donc c'est à moi de dire quel projet on peut faire, on va faire, etc. Donc là, on est dans la phase expérimentale. Pareil, avec un chantier d'insertion, on a récupéré des morceaux de palettes, mais c'est des quantités, c'est des tonnages, mais sur un revendeur sur un port national, enfin je veux dire, c'est au niveau national ou mondial, c'est énorme. Donc là, on est en train de reconditionner ces bouts de planches pour faire des objets, en fait. Donc là, bah, vous pouvez le passer si vous voulez, vous verrez, enfin, c'est vraiment de qualité. Donc là, on va en faire des lampes, on va creuser, on va mettre des lampes dedans, pareil, des lampes en bois exotique, et là, on va reconditionner des planches, ça, c'est 100% de déchets, en fait. Et on va revendre, l'idée, c'est de revendre soit pour faire des étagères, soit ce genre de choses. Et on est toujours à la demande de jus de cervelle, quoi. Donc si certains ont des idées, on dit bah votre cube il peut servir à je sais pas moi, enfin une idée quelconque, nous on est toujours preneurs. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un écosystème qu'on est en train de créer. Donc nous normalement on est limité sur un territoire donné du nord de la Charente-Maritime, mais c'est des expériences qu'on peut et qu'on doit essaimer. C'est-à-dire que si demain, et après je vais en terminer avec ça, le 12 pieds par exemple, on a été approché par Nature et Découverte, qui nous dit, ouais, c'est super, on aime bien en vendre, bah, peut-être, on ne sait pas, voilà, bah, bref.
Donc je suis en contact avec la responsable des marchés. Donc c'est pareil, c'est des quantités astronomiques. Je lui explique le process, elle me dit ouais, c'est génial, on est intéressé. Bref. Au bout du compte, elle me dit on peut en commander combien ? Mais je dis mais non, mais nous, l'idée, elle n'est pas de produire en fait. C'est-à-dire que si demain, des Maisons du Monde, il y en a, je ne sais plus combien il y en a en France, c'est-à-dire que s'il y a un Maison du Monde à Marseille, l'idée c'est de créer un écosystème autour de Marseille. S'il y a un Maison du Monde à Clermont-Ferrand, l'idée c'est de créer un écosystème à Clermont-Ferrand, etc. etc. Et le truc, c'est que cette dame, et je ne la prends pas pour une idiote, hein, loin s'en faut, mais en fait, elle ne me comprenait pas. Et je crois qu'elle ne me comprend pas, parce qu'eux, ils sont dans une démarche productiviste. Et justement, il faut acheter 10 000 jeux pour gratter 1 centime d'euro par jeu pour les rendre. Enfin bref. Donc là, donc c'est d'autres, comment dire, intérêts. Et on essaye de croiser tout ça. Donc c'est un travail au quotidien. Et on a besoin de... Justement, c'est un travail de partage. Et justement, de la bonne parole, si vous pouvez après la... à diffuser, et vous, enfin quand je dis vous, c'est vous et nous, en tant que consommateur, on a notre pouvoir et notre force, c'est justement d'aller vers des produits peut-être plus éco-conçus et correspondant à un territoire qu'aller à des grandes enseignes. Voilà, j'en ai fini pour mon explication. Peut-être quand même deux remarques lesquelles vous pourriez réagir. Oui. Lorsqu'on était passé dans votre laboratoire, si j'ose dire, enfin votre magasin, vous nous aviez parlé de récupération de coquilles d'huîtres. Je serais bien que vous en parliez un peu. Et puis d'autre part, on a vu un exemple. Alors évidemment, c'est qu'un exemple, mais faire du solide avec du marc de café, c'est un peu surprenant. Mais je trouve que pédagogiquement, ce que vous dites est intéressant. Et la troisième chose, pour terminer, peut-être, les gardiens... comment on appelle ça ? Les agents déchetterie. Les agents déchetterie. On appelle les agents valoristes, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, moi, je vais commencer par la fin, alors, par la dernière. Ouais. Non, effectivement, il y a certains de nos, enfin, certains territoires qui disent « Ah, c'est super, on aimerait bien faire pareil, etc. » On aimerait bien détourner de la matière dans nos déchetteries. Mais ce qu'on explique, c'est que tout ça, ça prend du temps, en fait. C'est-à-dire qu'un agent de déchetterie, qu'on appelle aujourd'hui, enfin, nous, on appelle ça un agent valoriste, il faut qu'il, encore une fois, je ne prends pas pour un idiot, mais il faut qu'il comprenne le pourquoi du comment, le fondement, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des projets didactiques et la finalité, qu'on puisse comprendre tout l'intérêt de surtrier. Parce qu'aujourd'hui, être agent de déchetterie, c'est un métier très, très, très compliqué, hein, très ingrat. Et au quotidien, ils doivent gérer l'incivilité. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est la preuve par l'exemple en expliquant, voilà, si vous détournez des pieds de meubles, ces pieds de meubles vont devenir un jeu fabriqué par un chantier d'insertion qui est à 500 mètres de la déchetterie. Donc, les agents de déchetterie, on doit les sensibiliser justement à cette démarche. Et aujourd'hui, c'est eux maintenant qui nous font des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'ils me disent, ils m'appellent, ils me disent, hey, on sait qu'en déchetterie, on a un industriel, il faut un professionnel qui nous emmène régulièrement du bois, qui nous ramène, enfin j'en sais rien. Donc c'est eux qui sont impliqués. Donc c'est tout un écosystème et tout un réseau en fait qui s'est créé. Donc ça, c'était la première question. J'ai répondu ? Ouais. Les coquilles d'huîtres et le marc de café. Donc je vais commencer par le marc de café, mais je n'ai pas emmené l'exemple. J'aurais c'est pu... dommage, dommage. Ouais, là, on est vraiment dans l'innovation pur jus, c'est-à-dire qu'on essaye justement d'ouvrir nos yeux, nos oreilles à tout ce qui est innovation autour de la valorisation du déchet qui sort un peu des sentiers battus. Et on a rencontré quelqu'un qui habite à Lille, dans le Nord, c'est Espérance Fenzi, sa société s'appelle Ethnici. Et c'est vrai qu'il a créé un process justement qui permet de valoriser, enfin de compacter n'importe quelle matière à partir du moment où elle est broyée. Donc effectivement, quand vous étiez venu dans nos locaux, on vous a montré un tabouret. En fait, on a fait un tabouret à base de marc de café. Et le marc de café, justement, il est à 80. Le tabouret, il a 85% de marc de café broyé. Et en gros, on va dire entre 15 et moins de 20% de liant aujourd'hui, qui permet justement de tuer tout ça. Donc l'idée, c'est que cette personne avec qui on travaille, et je vais finir avec les coquilles d'huîtres parce qu'il est impliqué là-dedans, c'est que lui est en train de travailler pour avoir un liant bio, enfin bioéthique, ou enfin voilà, avoir quelque chose de 100% bio. Enfin, bio, c'est un terme que j'emploie vraiment avec. Je ne sais pas quoi dire à part bio, mais tout du moins éco-conçu et ouais, naturel, ou tout du moins avec ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on essaye de créer un label Cyclab pour dire les produits que vous achetez, ils sont issus de l'économie circulaire locale via la revalorisation des déchets qui auparavant partaient soit en enfouissement, soit en incinération ou dans des filières plus classiques. Et aujourd'hui, vous participez justement à la valorisation de tous ces déchets. Et, voilà. Et donc, les coquilles d'huîtres, effectivement. Je vais vraiment finir parce qu'après. En fait, c'est parti d'un constat assez simple. C'est-à-dire que nous, on est Charente-Maritime, on est le plus gros producteur de France d'huîtres. En tant que chauvin, évidemment, les seules huîtres françaises, c'est les huîtres Marino-Liron. On est tous d'accord. Voilà. Et en Nouvelle-Aquitaine, maintenant, vu que la région a s'agrandi, c'est certains qui contestent ça, mais
bref. C'est Marine Oléron. Hein. Bon, bref. On sait que, même si on est un territoire rural ou semi-rural, on sait qu'il y a des coquilles d'huîtres aujourd'hui qui atterrissent en sac noir, en ordures ménagères, qui sont incinérées. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, en fait, tout simplement, on s'est dit, bah, pourquoi pas mettre des collecteurs, qu'on puisse collecter ces fameuses coquilles en déchetterie, parce que sur le territoire, il y a un entrepreneur qui s'appelle Ovive, qui a créé une activité qui fait de la nourriture pour poules pondeuses à base de coquilles d'huîtres. Et il est même en train de développer, il a micronisé les coquilles d'huîtres pour en faire de la cosmétique, pour mettre dans la cosmétique. Et il est possible, mais ça, c'est pas lui qui fait, c'est sa concurrente, ils sont deux en France à faire ça, elle est en Bretagne, ils micronisent encore plus pour faire les filaments d'imprimantes 3D qui sont faits à base des coquilles d'huîtres. Donc le constat était simple, c'est de dire on va mettre en déchetterie des collecteurs d'huîtres pour que l'habitant puisse venir déposer. Ça, c'est Cyclab est parti un peu de ce constat en fait. Et les agents valoristes en déchetterie nous disaient ouais mais non, si on commence à mettre des petits flux, ça va être compliqué, etc. Et en fait, c'est l'effet inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que les habitants étaient super contents. C'est-à-dire que on a pu leur apporter un service. Et ils se sont rendus compte en fait que Cyclad, donc là on parle de Cyclad, pouvait apporter des solutions à leurs petits problèmes. Je suis d'accord, jeter des coquilles d'huîtres, ce n'était pas le seul problème de la vie des habitants de Surgères, mais enfin, du territoire. Mais en gros, ça leur apporte une solution, ça leur permet d'ouvrir leur chakra, on va dire, avec les agents de déchetterie, ça crée encore une sorte de connivence sur un territoire donné. Et Cyclab, en fait, est né de ce constat. Et donc, on amène ces coquilles à Ovive, une entreprise locale, qui aujourd'hui les valorise. Et avant, il exportait des coquilles d'huîtres de Bretagne, alors qu'on est en Charente-Maritime. Voilà, donc c'était un peu... Voilà, j'en ai fini. Merci. De toute façon, vous restez à la tribune, donc on va donner la parole ensuite à votre voisin. Mais je trouve que vous avez très bien introduit, d'une certaine façon, je pense, son propos, puisque... Avec les 12 pieds d'Alexandrin, je pense qu'on est dans la poésie, et donc c'est parfait. Et puis aussi avec votre pudeur à employer peut-être trop souvent le mot écologie, ou je ne sais pas quel était le terme que vous vouliez... Non mais c'est un terme qui est galvaudé à mon avis. Enfin, voilà. Je pense aujourd'hui c'est un terme qu'on a trop employé, et des fois c'est un terme limite clivant. Quoi. Et on essaie justement de ce clivage est nocif, à mon avis, hein, ça c'est mon avis. Et même l'économie circulaire, c'est un terme des fois... Enfin, c'est des termes à la mode et ça me gêne un petit peu. Voilà, c'est juste ça, en fait. D'accord. Donc, à vous, monsieur Thomas. Et ça se prononce Piu parce que c'est un nom gallois. Voilà. Et c'est tout bête. Ça veut dire Hugo en gallois, Hugh. D'accord. Donc, Ap, Hugh, en langue galloise, ça donne fils d'un certain Hugo. Voilà. D'accord. Donc si j'étais irlandais, je m'appellerais O'Hugh ou MacHugh si j'étais écossais. Mais en l'occurrence, je suis un mélange entre britannique et suisse. Donc l'écologie poétique. Poétique, oui, c'est ça. Alors, je vais faire un tout petit peu quelque chose de différent de ce que vous avez entendu cet après-midi parce que j'ai un petit texte. Et c'est différent aussi parce que je vais vous... présenter quelques poèmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur de littérature des pays anglophones peut contribuer à une table ronde sur la question des rapports entre entreprise et environnement, biodiversité et écologie? Alors, je vous avouerai d'emblée ne pas être sûr d'avoir une réponse à cette question. Mais je peux peut-être proposer un axe de réflexion. Depuis plusieurs années maintenant, je m'intéresse à une approche de la littérature et plus largement de toutes les manifestations culturelles qu'on appelle dans les pays anglophones où ce cours a vu le jour au milieu des années 90 du siècle dernier, on appelle cela eco-criticism ou critique écologique. La critique écologique s'intéresse au rapport entre environnement naturel, culture et société. Focalisée au début sur les écrivains américains précurseurs de la pensée écologique, tels sont derrière moi le philosophe Henry David Thoreau, l'ingénieur forestier Aldo Leopold ou la biologiste marine Rachel Carson,
Et les textes que je suggère sont tous en traduction française. Donc, en tous les cas, la critique écologique s'est depuis très largement internationalisée et a fortement élargi son champ de recherche pour s'intéresser, par exemple, au rapport entre le local et le global, au problème de la justice, ou plutôt l'injustice environnementale, ou aux interactions entre les animaux humains et les animaux non humains. Bref, la critique écologique est aujourd'hui établie dans beaucoup de pays comme l'une des branches incontournables de la recherche écologique et environnementale, soutenue par des sociétés savantes, des programmes, des chaires dédiées et d'autres structures institutionnelles. Ce n'est cependant pas un survol général du mouvement écocritique que je voudrais vous proposer dans le cadre de cette table ronde, ça serait assez académique, mais plutôt me focaliser sur une question qui sous-tend beaucoup de travaux dans ce domaine, à savoir, que peuvent les arts, que peut, pour ce qui me concerne, la littérature, face à l'urgence écologique ? Là encore, comme à ma question de départ, que fais-je ici ? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. Il est en effet plus facile de dire ce que les arts ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ou uniquement dans de très rares cas, le livre de Carlson, par exemple, a eu l'effet de promouvoir l'interdiction du DDT aux États-Unis. Donc, dans de très rares cas, les arts peuvent avoir un impact direct, politique, sur la transition écologique, ou proposer, comme nous venons de l'entendre, des solutions pragmatiques. Ce qu'ils peuvent éventuellement, c'est de rediriger ou de nous faire changer notre regard sur les interactions complexes entre les vivants. Comment et par quels moyens ? Pour répondre à cette interrogation, je voudrais aujourd'hui simplement vous présenter quelques poèmes, ou plutôt extraits de poèmes. Je les ai tirés de l'œuvre d'un poète américain qui s'appelle Gary Snyder. Il est né en 1930 au nord-ouest des États-Unis. Snyder est poète, universitaire, militant écologique, moine bouddhiste, montagnard. Si son œuvre politique, spirituelle, éducative et poétique peut paraître foisonnante, peut-être disparate, en tout cas très riche, lui considère cependant la totalité de ses activités et surtout ses rapports à l'environnement naturel sous l'angle d'un concept qu'il a érigé en programme. Il l'appelle la pratique sauvage, the practice of the wild. Et il y a tout un recueil d'essais qui porte ce titre, the practice of the wild. La poésie comme pratique sauvage. Voilà un lien inhabituel entre nature et culture. Quel est ce lien, selon le poète ? Dans une conférence qu'il a prononcée en 2003 et ensuite publiée, Snyder donne un aperçu de l'importance qu'il accorde aux arts, dans un sens très large du terme, au sein de sa pratique sauvage. Il dit, dans ma propre traduction, le texte n'est pas traduit, « Il se peut que la contribution humaine à l'écologie planétaire est justement notre folie divertissante, nos talents de musiciens et d'artistes, notre impressionnante dignité et solennité dans nos rituels et cérémonies, car c'est cela qui semble enchanter le monde sauvage qui nous observe. » Je voudrais retenir de cette citation une sorte de paradoxe qui consiste à maintenir que ce sont les arts et plus largement toutes les pratiques créatives et spirituelles qui parlent, entre guillemets, aux vivants non humains du monde sauvage qui nous observe, comme le dit Snyder en anglais, « the watching wild world », le monde qui nous observe. Comme si la créativité du poète ou du musicien
du sculpteur ou du sylvanothérapeute, ne concernait pas exclusivement l'espèce humaine. Dire cela est paradoxal, c'est-à-dire à côté de la pensée habituelle, à côté de la doctrine. Dans un contexte où les manifestations culturelles sont justement supposées prouver le statut particulier des animaux humains. La langue des poèmes de Gary Snyder étant très simple, ou mieux, très épurée, je les lirai donc en anglais, afin de ne pas les gâcher par mes traductions ineptes. Je les commenterai ensuite, bien sûr, et vous les verrez affichés sur l'écran. C'est vraiment des très petits textes. Le premier poème que je citerai raconte l'origine des poèmes, selon Snyder. Il dit « It comes blundering over the boulders at night. It stays frightened outside the range of my campfire. I go to meet it at the edge of the light. » Comme un animal sauvage, le poème dans cette petite allégorie de la création poétique se rapproche, timide, effrayé, du feu de camp où le poète amateur des lieux sauvages, peut-être, mais pas nécessairement, la fameuse wilderness américaine, s'est installée. L'acte créatif est initié par l'instinct qui lui fait quitter le feu pour chercher la frontière entre la lumière et le noir, la civilisation et le monde sauvage, là où, selon Snyder, naît la poésie. Snyder nous apprend que la pratique sauvage, et je le cite encore une fois, ça c'est d'un essai dans The Practice of the Wild, que je cite encore en traduction, que la pratique sauvage nous oblige à bien connaître le terrain, à saluer les animaux, les oiseaux, les plantes, à traverser les ruisseaux et les cimes, et enfin à raconter une belle histoire une fois rentré à la maison. À vrai dire, ce n'est pas une histoire de quelque chose, d'un paysage particulièrement beau, par exemple, qui inspire les poèmes, mais plutôt le récit d'un contact ou d'un lien, d'un être avec. C'est la raison pour laquelle le prochain poème que je lirai s'appelle « For Nothing », pour rien. Earth, a flower, by a gulf where a raven flaps by once. A glimmer, a color, forgotten as all falls away. A flower, for nothing, an offer, no taker. Snow trickle, feldspar, dirt. C'est un récit des rapports entre les vivants sur un mode participatif. Un récit pour rien, non pas parce qu'il est dénué d'humanité, il est constitué de mots, mais parce qu'il n'établit aucune spécificité ou exception humaine. Le monde est une fleur, il ne signifie rien au-delà de lui-même, a flower for nothing. Il n'invite pas à transcender le présent, il reste sauvage en ce sens, et le poème qui, comme « For Nothing », essaye de le dire, est une pratique sauvage. Le philosophe américain David Abram utilise la formule suivante pour décrire cela. Le poète, selon lui, chante pour co-créer un contact avec tous les vivants et avec le cosmos. Il chante, pourrait-on dire, pour enchanter le monde. Dans la pratique sauvage de notre poète, la poésie et la marche sont des activités très proches. Toutes deux cherchent à adapter leur rythme à celui du monde. Beaucoup de poèmes de Snyder s'inspirent ainsi de balades ou de randonnées, sans cependant en faire le récit détaillé. La marche est un mouvement, un rythme, un souffle dont s'inspire le poète.
C'est ainsi dans le haïku suivant, c'est ces petits poèmes japonais, dans le haïku suivant intitulé « On climbing the Sierra Matterhorn again after 31 years ». Snyder, c'est un grand montagnard, et le Sierra Matterhorn, si vous regardez ça sur Internet, c'est vraiment un pic que je n'arriverai pas, moi, à atteindre. Il dit, « On climbing the Sierra Matterhorn again after 31 years, range after range of mountains, year after year after year, I am still in love. » Ce haïku nous rappelle que Snyder est un montagnard passionné, mais avant tout, il nous montre comment le poème, issu d'une randonnée dans la haute montagne, est une façon d'arpenter le monde à travers les vers. La marche, dit Snyder, est une forme de méditation. Elle laisse son empreinte sur la forme du poème. La vraie marche, selon Snyder, quitte cependant à certains moments les sentiers battus pour se perdre dans les terrains sauvages. Il en est ainsi avec la poésie. Selon Henry David Thoreau, donc le philosophe américain du 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, et l'un des grands précurseurs de la pensée écologique moderne, selon Henry David Thoreau, l'un des maîtres à penser du poète, la langue poétique doit être extravagante, doit littéralement évoluer en dehors des normes et des limites. Extravagare, en latin, ça veut dire marcher en dehors ou au-delà, d'où le mot extravagant. Pour Snyder, ces normes et limites sont fixées par le dualisme anthropocentrique qui situe le sauvage à l'opposé de la civilisation. L'extrait tiré du poème « Off the Trail », donc « En dehors du sentier battu »,« Off the Trail » raconte l'instinct qui nous amène à trouver un chemin en dehors des sentiers tracés qui nous permettent des perspectives nouvelles. « Off the Trail »« We are free to find our own way, over rocks, through the trees, where there are no trails. » The ridge and the forest present themselves to our eyes and feet, which decide for themselves in their old learned wisdom of doing where the wild will take us. Les pieds physiques, mais aussi les pieds au rythme poétique, se dirigent instinctivement vers les endroits sauvages, doing where the wild will take us. Ainsi, les poèmes de Snyder façonnent une pratique sauvage. Au cœur de ses rapports avec l'environnement naturel se trouve donc la notion de « wild », de l'état sauvage, qui n'indique pas un lieu spécifique, ce n'est pas la « wilderness » préservée dans les parcs nationaux, mais l'espace décentré de la communauté biotique. Au sein de cette communauté, nul besoin de définir un domaine de la nature qui serait distinct de l'humanité. Mon dernier texte, extrait du poème « Ripples on the Surface », conclura en toute logique ce récit de la pratique sauvage à travers la poésie par la formule « No nature », pas de nature. « Ripples on the Surface », « The vast wild », « The house alone », The little house in the wild in the house, both forgotten. No nature, both together, one big empty house. Nous, humains, sont ici décrits comme une petite maison qui cependant ne fait pas barrière contre le monde sauvage qui est toujours déjà là, dedans et dehors, car l'environnement est une grande maison, oikos, vide, et ouverte sur tous les côtés et qui n'enferme rien. Une maison paradoxale donc. Peu importe alors si l'on est dehors ou dedans, la nature est partout, ou plutôt sans frontières entre humanité et environnement naturel. Nous n'avons plus besoin du concept de la nature. No nature est précisément ce que Snyder veut dire
par the wild, l'état sauvage. Ce n'est pas une essence, ce n'est pas un lieu, c'est une pratique. Je dirais en somme, pour revenir à mes remarques du début, que ces quelques exemples d'une poésie du sauvage peuvent encourager la lectrice ou le lecteur à repenser sa façon de voir l'environnement, de se voir comme faisant partie de la nature et participant de la communauté des vivants. Les poèmes présentés ne sont bien sûr qu'un exemple de la façon dont la littérature et les arts peuvent, au-delà même de leur sujet, avoir un impact écologique. Les œuvres de Gary Snyder ne sont peut-être pas du goût de tout le monde. J'aurais pu choisir d'autres exemples et pas forcément tirer de la littérature anglophone, bien entendu. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, réside dans la capacité qu'ont les arts de nous faire voir notre planète avec d'autres yeux. Bien sûr, ce n'est pas l'action pratique dont nous avons besoin urgemment pour nous faire avancer sur la voie de la transition écologique. Mais l'activité culturelle, par exemple la lecture d'un poète comme Gary Snyder, peut accompagner, compléter et encadrer l'action pratique, parce que la transition écologique n'est pas uniquement une question technique, politique ou économique, c'est aussi, ou peut-être avant tout, une révolution de la pensée et de l'imagination. Voilà l'axe que je veux vous apporter et qui justifie peut-être ma présence à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Bien. Ben voilà, je pense. Amy Fraser, je suis une coach et consultante oui. de créativité. Je suis américaine, oui. Je suis née dans l'État de Colorado et j'habite à Seattle maintenant, deux lieux qui sont très proches à la nature. Donc oui. Vous connaissez bien Gary Snyder. Oui, je le connais. C'était merveilleux. Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense déjà, tout ce que tu viens de dire, comment les arts peuvent nous donner une autre perspective à nos objectifs. Je pense que c'est très important. Parce que je suis bien impliquée dans la question de créativité, je pense que ça aussi, parce que la créativité est quelque chose qu'on pense que c'est éphémère, c'est quelque chose qui passe très vite, et en plus, on peut penser que c'est quelque chose... Un acte du cerveau, mais vraiment c'est un acte du corps. Et toutes nos idées, toutes nos inspirations, toutes nos intentions, c'est vraiment, ça reste dans notre corps. Oui, on ne peut pas penser sans l'activité et l'entretien et le soutenir de notre corps. Ouais. Alors c'est tout c'est basé, tout retourne à notre physique et ça c'est basé sur la terre. Et l'intersection, je pense que j'espère que les idées sont un peu trop compliquées pour moi à expliquer en français, mais j'espère que ça marche. L'intersection entre le symbolisme de l'art et la réalité de la corporealité, de le corps et la nature, je pense que c'est très profonde et très, très, très importante. Et tout ce que tu viens à nous emporter, je pense que c'est profond. Ouais. Merci pour cette réaction. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que je peux peut-être répondre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Rapidement. Il y a deux éléments dans les poèmes que j'ai lus et qu'on peut éventuellement trouver dans d'autres. Hein. Il y a bien sûr tout un tas, une grande richesse de production culturelle que j'aurais pu amener en témoin ici. Mais dans les poèmes que j'ai lus, il y a deux choses qui vont dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire la façon dont notre corps lui-même est environnement. Nous avons l'impression que notre peau est finalement la frontière entre nous, entre guillemets, et ce qui nous entoure. Ce qui est complètement faux, parce que nous sommes évidemment environnement pour tout un tas d'autres vivants.
Et je pense que les poèmes que je viens de lire montrent ça jusqu'à un point très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les petits poèmes de Snyder, la personne du poète, le jeu poétique, il disparaît complètement. C'est-à-dire, il est évidemment là, parce que sinon il n'y aurait plus de mots. Mais les mots sont faits de telle façon pour qu'ils fassent corps avec l'environnement. Je pense que ça, c'est un point très important, c'est-à-dire cette disparition du jeu dans les poèmes. Et l'autre que je voulais souligner, c'est la façon dont la marche joue un rôle essentiel, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, d'arpenter le monde, et la façon dont le mouvement et le souffle qui sont le propre de la marche inspire après le mouvement et le souffle du poème. Voilà. Donc merci beaucoup pour les questions. D'ailleurs, juste une petite remarque, si je peux me permettre. Il y a eu, il y a peut-être une dizaine d'années, le directeur du Centre d'art contemporain de Bordeaux qui a sorti un livre sur le thème « Marché créé », oui, voilà, oui. Thierry David. Oui, oui. Oui, donc je vais changer d'interlocuteur, Delphine Plot. Donc je suis chargée d'animer un projet territorial du pays Châtellerault-Dais qui s'appelle un projet territoire zéro chômeur de longue durée. Donc l'idée, c'est de développer une économie locale supplémentaire, de créer de l'emploi supplémentaire pour empêcher des personnes privées durablement d'emploi sur un système, enfin un modèle économique de redistribution du coût de la privation de l'emploi vers la création d'activités nouvelles. Je ne vais pas parler du projet pendant deux heures, juste nous sommes persuadés dans le cadre de ce projet que la grande partie des emplois que nous allons créer, on va les créer dans le réemploi. Donc voilà, vous nous avez énormément inspirés jusqu'à maintenant, on ne s'était pas encore rencontrés, on avait l'intention d'aller vous voir prochainement, donc je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. Tout ce que vous avez décliné, aussi bien la revalorisation de meubles, de bois, d'invendus de fruits et légumes, et même de bières à base de récupération de pain, nous avons toutes ces idées-là en stock. Donc la bière, hein, c'est vous qui nous avez inspiré directement. Là, on cherche un brasseur pour essayer de nous trouver aussi une recette. Vous avez au téléphone, non ? Eh bien non, pas encore. Et du coup, la bière, ça nous intéresse particulièrement parce que dans les autres idées d'activité, on a un projet de création de guinguettes. Donc du coup, voilà, on ferait vraiment là, du coup, le côté circulaire et consommation immédiate est toute vue. Donc voilà, alors le 7 novembre, il y a une journée de mobilisation nationale pour dire qu'on n'a pas tout essayé contre le chômage de longue durée et donc du coup pour valoriser sur les territoires nos projets. Donc nous, on va organiser cette journée-là une recyclerie éphémère pour démontrer, pour construire des choses telles que vous nous avez présentées aujourd'hui. Et on organise l'après-midi une table ronde dont le sujet, c'est les emplois sont dans le réemploi. Donc, si vous étiez disponible cette journée-là pour venir témoigner de l'expérience de Surgère, tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, de venir le dire à nos interlocuteurs locaux, eh bien, je vous accueillerai avec grand plaisir. Il faut avoir le plein, on est très cher. Hein. Mais non, oui, avec grand plaisir, après, ça dépend des plein. Mais juste parce que nous, on n'est pas que Surgère, on a un territoire, le siège est à Surgère, mais en fait, on est vraiment pas loin de la moitié de la Charente-Maritime, mais une bonne partie. Donc voilà, on n'est pas que centré sur une ville, on parle vraiment, en fait, il y a 5 communautés de communes qui ont adhéré, enfin, compétences collecte et traitement des déchets ménagers, donc voilà, ça reste assez vaste quand même, quoi. Voilà, c'est juste une petite pression. Ouais. Oui, Pierre Perrault, de l'espace Mendès France. Je voulais vous poser une question sur les huîtres. Ça fait effectivement, moi, plusieurs temps que je me disais à Bordeaux, je suis désolé, ça serait pour des marraines, mais aussi pour des arcachonnaises. On consomme notamment aux fêtes de Noël et du premier de l'an beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huîtres. Et ça fait 2-3 ans que je me disais, mais on devrait avoir quelque part. Et je me suis renseigné, personne ne collectait ça sur Bordeaux. Et donc j'ai appris par une amie élue sur le nord de la Charente-Maritime, effectivement, que vous aviez cette activité-là.
Alors je voulais savoir si... Alors après, elle m'a dit, mais ça sera ridicule, personne ne s'intéressera aux 3 mètres cubes que tu vas pouvoir récupérer sur la partie ouest de l'agglomération bordelaise. Et donc, ce que j'ai aussi compris en vous écoutant, c'est qu'il n'y avait pas forcément uniquement à collecter une ressource, mais à la mettre en relation avec notamment des déchetteries ou des agents valorisateurs. Et donc, je voulais savoir si vous aviez déjà une discussion avec les gens de la Nouvelle-Aquitaine, mais pas donc les Bordelais, si vous connaissiez un peu leur démarche, si éventuellement vous aviez des tuyaux, parce que moi, ça m'intéresse cette histoire des huîtres. Je suis assez borné, assez limité, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les huîtres, et en tout cas sur le ramassage des coquilles après, parce que vraiment, au marché du dimanche, il y a plein de gens qui en vendent, mais il n'y a personne qui les récupère, donc je trouve ça vraiment... Et on les retrouve avec du plastique ensuite derrière, comme vous le disiez, donc c'est vraiment débile. Et alors, je ne sais pas s'il y aura de quoi ensuite les écouler pour faire... Enfin, voilà, ça m'intéresse d'avoir une réflexion plus large avec vous sur ça. Enfin, si on peut en parler 3 secondes. Là. Mais ouais, au contraire, mais justement, là, vous ouvrez un peu la discussion dans le fait, ou le débat, c'est de dire que nous, nos pratiques, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Châtellerault, nous, il n'y a aucun... comment dire, il n'y a pas de copyright, hein, clairement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la primeur et la prétention de dire la bière au pain, c'est nous qui l'avons inventée. Ça, c'est faux. Faire un jeu de 12 pieds avec des pieds de meubles, voilà, on n'a pas inventé non plus. Et donc ça rejoint un peu ça. Si demain, Bordeaux, la Cube, on se met en contact, il n'y a aucun problème avec les huîtres. Je sais que ça peut intéresser au vive. Le seul bémol, quand vous parlez de 3 mètres cubes, j'y crois moyen, dans le sens où nous, on a un territoire semi-rural. Et c'est ça, c'est que des fois, quand on touche à des villes, à des agglomérations comme Bordeaux ou Nantes, ou, voilà, on est sur des quantités qui peuvent être énormes. Quoi. C'est plus là où moi, je serais un peu frileux. C'est plus après, l'échange, oui, mais on n'est que 2 chez Cyclab et on a un directeur aussi, mais la preuve, il n'a pas pu venir. C'est qu'après, si on... Je ne dis pas que je ne viendrai pas, attention, mais si on répond à toutes les sollicitations, c'est vrai que ça devient compliqué. Quoi. Parce que nous, nos élus, si on est sur un territoire donné, c'est justement pour valoriser un territoire X. Et l'idée... Attention, je ne dis pas non, mais qu'on soit clair. D'échanger, oui, non, mais pas de problème. Ah oui, non, mais j'entends. Ouais, mais c'est une manière de penser. Et en fait, la manière de faire, on nous demande tout le temps, ouais, comment vous avez fait pour mettre en relation, etc. C'est simple et c'est compliqué, quoi. Mais en fait, ce qui nous a halluciné, c'est qu'on s'est rendu compte que la thématique du déchet touche tout le monde. C'est-à-dire, c'est un peu comme le sélectionneur de l'équipe de France de football, comme on dit, en France, il y a 65 millions de sélectionneurs. Ben, nous, c'est un peu pareil. Quand on parle du déchet, ça concerne tout le monde, quoi. Et le truc, c'est que tout le monde a son idée mieux que la nôtre. Bref, nous, on est là pour dire non, l'idée, c'est de trouver des actions communes. Et on a, encore une fois, on n'a pas de copyright. Si ça peut fonctionner à Bordeaux, moi, j'en serais le premier ravi. Et nous, on divulgue tous nos secrets de fabrication. Il n'y a aucun problème. Quoi. Donc oui, le mieux, c'est d'échanger, même par téléphone ou par mail, avec grand plaisir. Oui, donc, monsieur Hatzi. Oui. Moi, en fait, sur Clermont-Ferrand, tout à l'heure, vous parliez de Clermont-Ferrand, en exemple. Moi, j'ai vraiment un gros réseau là-bas et je travaille avec des structures, des incubateurs et des comités de communes, justement. Et je crois que ça pourrait les intéresser de savoir un peu comment... Parce que ce que j'ai compris par rapport aux fruits, vous récupérez les fruits dans les magasins, c'est assez pas évident pour le faire parce que souvent, il y a une loi qui est tombée là il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est de comprendre. J'ai envie de comprendre ça parce que... J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez le faire et les autres ils peuvent pas le faire, par exemple. Pourquoi C'est des volontés politiques, hein, clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais clairement, enfin, après, c'est vraiment une volonté politique parce que dans l'absolu, nous, on est 2 chez Cyclab, donc on est payé par l'argent public. Il y a encore des élus d'autres territoires qui nous disent mais je comprends comment on vous paye. Enfin non, mais dans le sens où mais je comprends qu'ils comprennent pas. C'est juste ce que je veux dire. Et c'est vraiment politique, hein, et c'est vraiment une démarche intellectuelle à faire. Et c'est pour ça que je remercie les élus vraiment du territoire, parce que c'est vraiment grâce à eux. Quoi. C'est grâce aux élus que vous avez c'est des échanges, des élus, voilà. Et après, c'est vraiment, quand on parle de poésie, quand on parle d'art, moi, j'ai envie de faire un rapprochement aussi avec tous les intellectuels. Quoi. Moi, je parle souvent d'un principe de... alors, Michel Onfray, il est clivant, mais je vais citer Michel Onfray, quand il parle du principe de Gulliver. Et moi, j'y crois à 250% au principe de Gulliver. C'est-à-dire d'une conférence qui s'appelle le post-anarchisme, enfin toujours un truc assez clivant avec Michel Onfray, mais le post-anarchiste est expliqué à ma grand-mère. Dedans, il explique qu'est-ce que le principe de Gulliver. Et lui, il dit, en tant qu'intellectuel, on nous reproche souvent, nous, d'être dans la phrase, mais pas dans le faire. Il dit, mais moi, je vais vous expliquer comment on fait, en fait. Il faut appliquer le principe de Gulliver au quotidien. Le principe de Gulliver, c'est tout simple, hein, c'est que
notre pensée soit en accord avec nos actes. C'est tout simple. Et il dit, si on avance là-dessus, c'est chacun à son petit niveau, on peut devenir l'Oedipusien. Et c'est pour ça que moi, j'y crois fortement. Et quand on parle de Clermont-Ferrand, oui. Quand on parle de Bordeaux, oui. Et je pense que tout ça, après, ça va s'étendre. Et on va arriver à quelque chose qui va se mailler au niveau national, voire international. Mais c'est pour ça que j'étais très attentif à votre démonstration, parce que je reste convaincu que les idées, elles passent, que ce soit par l'art, que ce soit par les mots, les chansons, le cinéma, les intellectuels, etc. Après, il y a toujours des intellectuels qui vont prouver le contraire de tout ce qu'on a dit pendant 2 heures ou 3 heures. Donc c'est pour ça que c'est long. Et je voulais juste ajouter, ouais, peut-être parce que connaissant un petit peu, hein, mais très, très timidement, je dirais, on a fait que petite exploration, l'écosystème surgère. Il faut dire aussi que, par exemple, cette entreprise-là est accueillie dans l'incubateur et dans la pépinière d'entreprise, que par ailleurs, la réunion du club d'entreprise a eu lieu sur le site archéologique à un moment donné. Donc on voit bien aussi les hybridations de rencontres qui sont organisées. Ce n'est pas par hasard. Je veux dire, il y a des choses. Et quand vous parliez de territoire zéro chômage, je pense que la question peut s'adresser aussi au deuxième intervenant. Exactement. Parce qu'après tout, dans ce territoire-là, on peut aussi peut-être développer la poésie, la philosophie, les humanités classiques, la philosophie, etc. Et moi, j'y crois à 200%, ça passe par la pensée, quoi. Un courant de pensée, ça passe par les écrits, ça passe par des œuvres. Ça, j'en suis mais archi convaincu. Non, mais je voulais juste dire, quand vous disiez que c'était probable que les intellectuels ensuite ne sont pas d'accord les uns avec les autres, je pense que ce qui est très important pour les productions culturelles, dans le sens large du terme, c'est qu'il n'y a pas de critère absolu pour dire ceci est plus écologique que ça, ceci est plus proche de la nature que cela. Ce qui est, enfin, c'est difficile à dire en tous les cas. Je pense que ce qui est peut-être plus important, c'est l'effet que ça peut avoir. Et si ça peut avoir l'effet de me faire me rendre compte, justement, que parmi les vivants, en tant qu'animal humain, j'ai peut-être pas la position exceptionnelle que je pensais toujours avoir, et que l'environnement n'est peut-être pas quelque chose qui l'entoure parce que moi je suis au centre, eh bien je pense que le texte aura fait son effet. Et donc la qualité du texte, je pense, en tous les cas d'un point de vue écologique, tient à ce pouvoir qu'il a plus ou moins fortement à me faire changer de regard. La culture, c'est un laboratoire de la pensée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la transition écologique, c'est aussi une question de l'imagination. Ouais, mais c'est pour ça que le terme écologique, qu'on parlait tout à l'heure, c'est un terme que j'ai un peu. En fait, il faut écrire un néologisme, en fait, mais je ne l'ai pas trouvé, en fait. Justement, je trouve que des fois, c'est un terme qui va sur des terrains qui sont. Comment dire, qui ne correspondent pas à ce vers quoi on veut tendre. Enfin, je pense. Hein. Voilà, mais je n'ai pas trouvé ce mot, en fait. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos deux interventions riches et qui résonnent l'une avec l'autre. Ce qui m'a saisi en vous écoutant, c'est la question de culture comme regard aussi. Et quand on regarde la nature, finalement, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Que la nature fait avec les éléments qui sont à proximité, en plus grande quantité, à température et à pression ambiante. Et que finalement, ce qui peut marcher dans un écosystème ne peut pas forcément marcher dans un autre, puisque ce sera d'autres équilibres. Exactement. Ce qui va marcher à Châtellerault ne peut pas forcément Exactement. Marcher à Surgères. Mais comment finalement regarder autour de soi, réouvrir ses yeux ? Comment éduquer son regard avec la poésie, avec la littérature, avec les arts ? Entraîner finalement cet œil à aller au-delà, finalement, de notre humanité, pour aller vers notre animalité, peut-être, et s'emparer de ce qui s'invite à soi, et aussi, finalement, faire de la place à l'étonnement. En résonance avec ce qui avait été échangé hier, on avait parlé un petit peu des philosophes, etc., mais revenu... ce passage dans le banquet de Platon où Aristote
Socrate pardon, interroge Diotime sur la question de l'amour et notamment sur la question de l'éros, cette énergie de vie. Et Diotime, la seule femme de cette grande aventure, lui répond que l'éros, c'est l'enfant du manque et du passage. Et si à cet endroit-là, on observe ce qui nous manque et qu'on se met en mouvement à l'intérieur de ça, peut-être qu'on va pouvoir innover, avancer et faire avec ce qui est à portée de main, je ne sais pas, ou de regard. Oui, mais je suis d'accord, encore une fois, à 100%. Et justement, avec tout ce dont on dit, là, on est des gens quand même assez convaincus, je pense, autour de la, enfin, de la table. Sur cette... Donc voilà. Mais nous, on essaye d'étendre justement ce regard. Et c'est pour ça qu'on essaye d'aller vers l'habitant. Quand je dis l'habitant, c'est-à-dire que c'est tout le monde et personne, hein, c'est l'individu. Mais on essaie aussi d'aller dans les lycées, dans les collèges. Et au-delà d'arriver en disant, voilà, alors, l'écologie, c'est super, c'est génial, il faut trier. Non, on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'en profite pour en parler. Ça, c'est un cadeau que je fais à l'Espace Mendès France. Merci. Ben non, il ne faut pas dire merci, il faut voir ce qu'il y a d'abord dedans. Non, en fait, c'est un 12 pieds qu'on a fait avec un lycée technique, un lycée professionnel. Les 12 pieds sont peut-être moins jolis que ceux qu'on a fait avec des designers, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que je suis allé présenter ces petits projets à un lycée technique, des faiseurs. Moi, j'appelle ça les faiseurs de demain. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fabriqué les meubles de demain. Moi, j'ai été ébahi de voir les professeurs qui ont certains mon âge, plus âgés, voire plus jeunes, qui, des fois, quand je leur ai parlé de pieds de meubles, ils m'ont dit « Mais non, on ne fait rien avec des déchets. » Mais j'ai dit « Non, mais attendez, encore une fois, intellectuellement, on ne parle pas de déchets, on parle de bois, quoi. Je ne parle pas de pieds de meubles, je vous parle de bois, quoi. » Bref. Il y a un professeur qui vient me voir qui me dit « Non, mais ce qui serait génial, c'est de faire un projet pédagogique avec des futurs faiseurs pour voir ce qu'ils peuvent en faire, en fait, de ces pieds, et voir, enfin, de ces pieds de meubles, pour voir s'ils peuvent en faire des jeux de 12 pieds. » Donc nous, Cyclades, Syndicat Mix, on leur a commandé 100 jeux. On leur a laissé une année scolaire pour fabriquer, pour créer un process semi-industriel pour fabriquer des 12 pieds. Donc c'est pour ça qu'il y a des contraintes, je ne vais pas entrer dans la technique, mais c'est pour ça qu'ils sont un peu différents. Mais ce qui est hallucinant, c'est que moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait une classe de 12 élèves. Si on en a chopé 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, ils vont voir différemment tout cet écosystème. Et je sais que demain, quand ils vont voir des meubles, ils ne vont pas penser déchets, ils vont penser bois, ils vont penser matière. Et juste pour finir ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, pour dire le système dans lequel on vit, c'est qu'on est en train de se dire, il faut que dans... Aujourd'hui, en déchetterie, on récupère des meubles massifs. Donc, qui dit meubles massifs, mais bois qu'on peut valoriser. Demain, dans nos déchetteries, dans 15-20 ans, on aura les meubles IKEA, les meubles Conforama, qui sont en mélaminé. C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus rien faire de cette matière, quoi. Donc en fait, on est en train de réfléchir, de se dire quoi faire de cette matière qui n'est pas noble, alors qu'on ne se pose jamais la question de se dire comment travailler sur une consommation différente. Et c'est là, en fait, on essaye de croiser tout ça en se disant aux habitants, mais on parle que de déchets, mais en fait, il faut aussi parler de production et de consommation. Donc voilà, enfin, on essaye de regrouper tout ça. Mais ces débats, on pourra en parler des heures. Hein, donc, mais voilà, on essaye d'aller là-dessus. C'est pour ça que les lycées, écoles, enfin les écoles, l'éducation nationale, pour nous, est un vecteur primordial. D'autant voilà. Plus qu'il y a les projets de mini-entreprises dans les collèges. Et, oui, les on est sollicité partout en ce moment et c'est chronophage. Mais bon, tant mieux. Hein. Nicolas, de Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine. Non, je trouve votre projet super intéressant. Enfin, moi, à titre personnel, je fais tout pour acheter le moins possible de choses neuves. Et je galère énormément à trouver des filières d'upcycling pour trouver des choses. Donc, à chaque fois, je favorise la seconde main. Donc, j'espère que ça va émerger plus rapidement. C'est pas ça que je voulais vous demander. Je voulais vous demander comment vous travaillez la question de l'insertion qui était autour, parce que vous l'aviez évoqué. Vous avez évoqué des chantiers d'insertion, des lycées professionnels, et je voulais savoir si c'est vous qui le portiez, si c'était à chaque fois avec des partenaires, comment c'était réfléchi, voilà, comment vous travailliez cette question. Alors la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode en fait. C'est vraiment d'une manière empirique. Quand Cyclab a été créé, c'était en gros, on m'a donné les clés du camion, on a dit tu y vas, on ne sait pas où tu dois y aller, mais tu y vas. Donc l'idée, c'était justement de trouver avec qui, comment, et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que sur un territoire donné, l'insertion peut offrir des possibilités que d'autres n'offrent pas. Donc en fait, ça c'est venu naturellement. Et je sais plus qui parlait tout à l'heure dans la conférence juste avant. C'est qu'une question de rencontre en fait. C'est toujours ça, une question de rencontre, une question humaine quoi, tout simplement.
Et on en est arrivé à cette conclusion assez simple, c'est de dire que si on peut valoriser le déchet en valorisant les compétences de certaines personnes pour retrouver un emploi, etc., c'est encore plus valorisant. Mais c'est, je ne dis pas ça de manière égoïste. Hein. C'est pas, en fait, on s'est rendu compte naturellement que des projets innovants, ce genre de choses, c'était plus facile à vendre, entre guillemets, à un chantier d'insertion. J'ai envie de dire, ils sont plus curieux. Peut-être qu'ils ont des démarches économiques qui ne sont pas les mêmes qu'un professionnel de lambda. Donc ça s'est fait plus naturellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pareil, c'est des sujets vachement, ça s'est fait dans l'affect un peu tout ça. Donc j'ai pas réellement de méthode. C'est pour ça que je, voilà. Je sais pas si j'ai, ça c'est un peu flou ma réponse, mais. Exactement. Et puis les élus ils me disent, bah, si on peut aller plus vers une chaîne d'insertion, c'est encore mieux. Mais c'était pas non plus une contrainte. Ah mais j'étais vexé parce que vous n'avez posé aucune question. Vous posiez plein de questions aux intervenants. Je dis mince. Quel André Brouchet. Ouais. Quelle leçon ? Ah bon ? Quelle leçon tous les deux ? Mais c'est vrai que c'est marrant qu'on ne se connaît pas du tout, en plus on ne s'est jamais rencontrés. C'est marrant. Quelle leçon ? Parce que j'ose m'appeler sur LinkedIn accélérateur de connexion fertile et j'ai une grande leçon d'humilité grâce à vous et aussi d'une réflexion approfondie sur ce qu'on appelle la connexion. Monsieur qui a lu ces magnifiques poèmes avec beaucoup de poésie et de conviction m'a démontré que le diseux peut être un faiseux. Et d'un seul coup, je me dis, mais moi qui oppose le diseux au faiseux parce que c'est marketing, je me dis, je suis en train de faire une erreur très forte. La connexion, c'est en fait... Au-delà de la connexion, il y a l'immersion. Et l'immersion dans la nature, dite par Gary Snyder, c'est ce que nous devons tendre à ça. La peau dont vous avez parlé en disant on pense que c'est une séparation, il y a le reste et puis nous. Eh bien non, il y a nous, mais le grand nous. Et le grand nous, c'est tout ce qui fait la vie. Et l'accélération des connexions fertiles, vous en êtes un exemple vivant, cher monsieur de Cyclades, avec votre ami, montrant que, effectivement, il n'y a pas de déchets. Et d'ailleurs, dans la nature, il n'y a pas de déchets. C'est toujours recyclé. Voir les livres sur les animaux qui commencent à apparaître. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet, mais la leçon d'humilité que je reçois ici, et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce choc, m'oblige à revoir pas mal de choses, même dans ma pratique. Et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai, reste à savoir quoi. Et pour terminer, ma question, justement, au poète, enfin à la personne qui nous fait connaître cette poésie, cette proximité, cette immersion dans la poésie, dans la littérature aussi, mais dans la poésie en particulier, qu'est-ce que ça a changé, si tant est que ça a changé quelque chose dans votre vie ? Et quant à votre voisin, quand vous avez démarré cette action, vous vouliez aller vers quoi ? Et finalement, quelles sont les surprises qui sont arrivées dans votre pratique qui font que, là aussi, vous vous trouvez en immersion avec un monde, pour l'instant, très fragmenté et qui va vers la fragmentation maximale, alors que ce qu'il faut aller, c'est vers l'immersion maximale, mais en comprenant ce que nous faisons. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je voudrais peut-être essayer de lier ce que vous veniez dire à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de l'émerveillement qui peut être l'effet, d'un poème ou d'un texte littéraire, d'un morceau de musique,
peu importe. Et je pense, je suis à 100% d'accord. C'est vraiment essentiel. Mais j'irai un tout petit peu plus loin. Je pense que cet émerveillement, et après je reviendrai, j'essaierai de faire le lien, cet émerveillement, il ne doit pas venir, à mon sens, en tous les cas, face à un objet qui serait la nature. Parce que si c'est ça, nous renforçons la séparation entre les animaux humains et les autres vivants. Et donc l'émerveillement, je pense, doit venir d'une suggestion, d'une symbolisation d'un être avec. Et je pense que c'est ça le pouvoir qu'ont les textes. Et j'ai été enseignant pendant très très longtemps. Évidemment, ma façon en tant qu'enseignant-chercheur était de parler à mes étudiantes, mes étudiants, de cette question-là, de l'importance fondamentale d'un être avec. Pas parce que je pensais en faire des poètes, je ne le suis pas moi-même, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas le talent. J'étais formé en tant que littéraire, simplement en tant qu'enseignant, chercheur littéraire, mais j'ai essayé, en tous les cas, avec mes étudiants, de faire des lectures de textes qui allaient vers cela. Cette reconnaissance d'un monde de flux, d'un monde où il n'y a pas de séparation entre les vivants. Pas parce que je pense qu'ensuite ils vont écrire des poèmes dans ce sens-là, mais parce que je pense avoir compris ça. Ça peut peut-être ensuite, parce qu'ils deviennent beaucoup de choses différentes, des enseignants, mais pas seulement ça. Ils travaillent dans tout un tas de domaines, les ressources humaines, par exemple. Il y a beaucoup d'étudiants de la faculté des lettres que j'ai dirigée pendant 4 ans, beaucoup de nos étudiants qui se trouvent après dans les ressources humaines. Et je pense que c'est essentiel d'avoir compris ça pour tout un tas de métiers et, je dirais, pour tout un tas d'activités citoyennes. Ouais. Donc, si j'ai pu avoir un effet, c'est en tant qu'enseignant. C'est le domaine où j'ai travaillé. Maintenant, je suis à la retraite, donc je regarde un tout petit peu ailleurs, autre chose. Je travaille toujours sur un projet, par exemple, à la Maison des sciences de l'homme, qui regroupe tout un tas de disciplines, la sociologie, l'anthropologie, les géographes. Et là, on a un projet où on va travailler sur les castors au bord de la Loire. On va essayer de réunir tout un tas d'histoires, parce que bon, bah, tout le monde est pour les castors, sauf les personnes qui souffrent des dégâts que les castors causent. Et c'est ce genre de conflit qui nous réunit toutes les disciplines, mais qui fait, je pense, aussi un lien entre ce qui est universitaire et académique et un peu enfermé, et qui nous ouvre à des débats citoyens beaucoup plus larges, et donc qui fait ressortir en tous les cas la pensée écologique que j'ai pu pratiquer dans mon petit domaine en dehors des murs de l'université. Voilà. Merci. Monsieur. Ouais, moi c'est difficile de répondre rapidement, mais je m'inscris totalement à ce que vous venez de dire. Mais après, à la question où on croyait aller et où on est, en fait, c'était ça en gros, si je résume. Justement, c'est d'essayer de décliver. C'est pareil, je sais pas si ça se dit, hein, je vais essayer de faire des néologismes, mais tant pis. C'est décliver tout ça, quoi. C'est-à-dire que si je dis tout à l'heure. Qu'il y a certains mots qui me font peur à utiliser aujourd'hui, c'est justement, ils sont vite clivants, en fait. Mais clivants, quand on parle d'écologie, encore une fois, je reviens sur ce terme, tout de suite, on perd des gens en route, quoi, si on parle d'écologie, quoi. Et on perd des gens en route, ou on va en récupérer d'autres, mais pas les bons. Quand on parle de militantisme, c'est pareil. Le militantisme,
j'adore le militantisme, mais qu'est-ce que c'est que le militantisme? Pourquoi? Et jusqu'où on peut être militant sans faire perdre le message, quoi? En fait, il faut être toujours... c'est hyper compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte, en rencontrant tout un tas de partenaires, justement, que le faiseux et le diseux, en fait, c'est les mêmes, quoi, effectivement. Et il n'y a pas de barrière, en fait. Et il faut que le faiseux puisse être un diseux et que le diseux puisse être un faiseux. C'est ça, en fait, pour moi, la grande difficulté, elle est là, quoi. Et aujourd'hui, on est une société où on parle souvent d'éléments de langage. Et c'est vrai que c'est un terme péjoratif. Mais malheureusement, il en faut, quoi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est que simplement, en tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant qu'habitant, si on peut faire émerger des partenaires locaux en donnant notre argent, payant peut-être un petit peu plus cher, peut-être, un produit qui est produit localement, si on fournit à créer de l'activité localement, moi, je pense que voilà, ma mission, elle est vraiment là, quoi. Elle est clairement là. Et on est confronté... On est confronté aux grands groupes, et c'est là où c'est compliqué, parce que des anecdotes, on en a des caisses, mais j'ai rencontré un responsable de chez Kiabi pour travailler sur le textile. Waouh, quand on se parle, on ne se comprend pas, quoi. On ne peut pas se comprendre, en fait. Mais j'aimerais bien qu'on y arrive à se comprendre, en fait. En gros, je ne sais pas si ça peut être la conclusion, mais est-ce qu'on peut lier l'écologie à l'économie, en fait? Clairement. Exact. Clairement. Moi, je pense. Mais on n'est pas couché. Non, je veux dire, c'est qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que l'écologie? Parce que l'économie, est-ce que c'est d'avoir trois écrans plats chez soi, enfin, de pouvoir acheter, je sais pas, en fait. La question, elle est là, elle est posée, quoi. Ouais. Bien, bonne conclusion. Ah, pour l'an prochain, pour 2020, bonne conclusion. Ça va peut-être être la dernière. Ouais, je pense. Oui, je suis Christine Guérif, je suis urbaniste. Niveau, et ouais. Je voulais relever plusieurs choses que vous avez dit. D'abord, l'impact du politique. Vous avez parlé de réseau, et puis le fait, en fait, que tout se tient. Et notamment, donc, là, vont se terminer toutes les consultations sur le PCAET de Grand Poitiers, le plan climat. Et on retrouve beaucoup de choses que vous avez dit dedans. Et on voit que un grand programme comme un plan climat, comment on le met en œuvre? Et tout ce que vous avez expliqué, vos expériences, c'est une façon aussi de le mettre en œuvre. Mais là, je réagissais parce que, en fait, on a deux échelles. On a l'échelle de l'économie circulaire, de tout ce qui se fait sur les territoires, et plutôt les territoires ruraux, en fait. Et puis après, il y a la macroéconomie. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous comprendre, parce que c'est vraiment deux mondes qui ont des... Mais c'est pour ça que vous disiez qu'on a du mal à se comprendre parfois avec... Mais je ne dis pas que je suis dans le vrai et qu'ils sont dans le faux ou l'inverse. Oui, attention, mais attention, ce sont deux mondes. Mais complètement. Ce sont deux mondes et ça interroge beaucoup les territoires. Par exemple, il y a beaucoup de territoires qui font appel à d'énormes sociétés. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser un peu Coved. C'est autre chose, quoi. On travaille avec Veolia, on travaille avec Cita, on travaille avec McDonald's, on travaille avec tous des groupes comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Mais en tout cas, il y a des choix politiques à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on favorise plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'économie circulaire Et puis je me disais aussi, c'est par rapport aux questions de rentabilité. Quand il nous reste de médicaments, avant, on allait dans les pharmacies, on savait que c'était récupéré. Aujourd'hui, les pharmaciens, ils disent, mais non, c'est plus possible, ça coûte trop cher. Et soit vous les mettez à la poubelle, ou nous, si vous nous les donnez, on les mettra à la poubelle. Et même des produits extrêmement chers, même des médicaments extrêmement chers, parce que ce n'est pas rentable. Donc, il y a la question de la rentabilité qui se pose, et on se pose aussi la question par rapport à votre structure. Voilà. Comment est-ce qu'il n'y a quand même pas les notions de rentabilité et d'équilibre, et de dire, voilà, est-ce qu'on est forcément dans un monde où il y a la rentabilité, voilà, et puis dans un monde où c'est le monde, finalement, des collectivités locales. Et aujourd'hui, les collectivités locales, moi, je travaille quasiment que pour des collectivités locales, on voit les difficultés, les baisses de moyens, et comment aujourd'hui, quand même, l'avenir, c'est plutôt les partenariats publics-privés. Mais comment on doit se comprendre et comment, voilà, ça pose vraiment aussi, et le PCAET, les réunions publiques qu'il y a eu, ça posait
tout de suite les questions des comportements, des modifications des modes de vie. Et on voit que vous travaillez là-dessus aussi, sur les modifications de modes de vie, encourager les gens à faire eux-mêmes. Et après, si je peux juste répondre, encore une fois, sinon on en a pour deux jours, mais en gros, la demande des élus, elle a été claire, hein, faire des choses simples et pragmatiques qui fonctionnent tout de suite. C'est-à-dire que je sais très bien qu'avec ça, on ne va pas détourner des tonnes et des tonnes de déchets. Simplement, on va prouver que ça peut fonctionner. Aujourd'hui on n'en est que là, quoi. Et après, l'économie circulaire, je ne pense pas que ce soit la finalité en fait, de tout ça. C'est justement croiser les deux mondes. Moi, je pense qu'il faut les croiser pour montrer que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Il faut peut-être moins produire, peut-être produire différemment. Je ne sais pas, la réflexion, elle est là, quoi. Et c'est des termes, des fois, quand on parle de déconsommation, j'ai l'impression que c'est des gros mots, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas aller là-dessus? Je ne sais pas, en fait. Voilà, encore une fois, je suis en pleine interrogation. Mais quoi qu'on dise, les élus, les politiques en France, tout du moins, je n'ai pas la prétention de voir comment ça se passe dans les pays étrangers, mais ça passe par là, quoi. C'est obligatoire, quoi. Et c'est des volontés politiques, ça, c'est clair. Bien, écoutez, on va peut-être en conclure là, ce soir. Ça laisse quelques pistes à travailler à l'avenir. En tous les cas, merci aux intervenants, merci à vous d'être présents. Et on va libérer parce qu'il y a une conférence qui va suivre. Mais vous pouvez continuer à discuter. Il y a la cafétéria est ouverte en haut et vous pouvez continuer à échanger.